perché andano a due con us in New York e for competition, for prize competition. You know, that's a very good question. People are always shopping around to find the best prices that there is, but we always try to be very, very competitive. I think right now we are very competitive in the market, or even better than the competition. How better? How better? Delta.com, and I guarantee you, let's do a comparison. I'll give you my business card and you call me. I'm almost sure that I'm lower. Okay. Oh, my ambassador wants to say something. Okay. Céline Chauvet. Damn, ça arrive avec vous que un vrai bien de taper venir en Haïti. Tout combien de New York taper billet d'avion pour Haïti, vol direct, minimum $700, $800. On est en train de faire un ticket à 400, à 300, à $500. Donc déjà Delta vient casser le monopole qui devient sur New York. Port-au-Prince. Et quand il y a une compétition, prix descend et ça fait que plus on a voyagé à tourner la caillou et puis à visiter le pays, à rencontrer les familles. Donc déjà là, le fait que nous avons voyagé sur Haïti, nous continuons à baisser le prix et on a fait que le prix a continué à descendre et la position de nous pour capable d'avoir un bon service avec des prix très compétitifs pour nous servir communauté à correctement. Merci, monsieur le ministre. Tout d'abord, nous allons profiter de saluer le ministre Pamoué. Madame Vildouin, que moi qui a fait un bel travail, conseiller général moi, Delta Airlines. L'important, en tant que représentant au Cap Haïtien, avec le travail que nous avons fait dans Touri Nord avec notre association, et nous avons fait attention très soutenue pour Cap Haïtien, pour l'aéroport au Cap là. Qui le Delta Airlines a fini au Cap Haïtien, et pour que c'est au Cap qui a été capitale touristique. Ce n'est pas Jacques Mel, ce n'est pas l'autre côté, c'est le Nord. Capitale capital touristique. Qui vient d'Haïti Cap a toujours été capital touristique et m'a toujours aimé ministre que nous apprécions pile, Madame Bilfort. Madame Stéphane, merci. I want to answer that. It was more like a statement. When the airport will be ready. I figured he was asking if Delta is going to be flying into Cap. Okay. So let me answer that question. I wouldn't be able to say yes right now because your airport is still under construction, but I'm sure our network people will be happy to take a look at it because it is an opportunity for us. Okay, pardonnez-moi. Hein?